C'est au musée Fabre, à Montpellier, que l'œuvre de l'artiste Pierrette Bloch a été présentée au sein d'une exposition collective avec Stéphane Bordarier et André-Pierre Arnal. Après avoir commencé son parcours dans la peinture, puis les collages, Pierrette Bloch a développé une œuvre très singulière, à partir d'un matériau pauvre, le crin. De quoi s'agit-il ? Avec ce crin qui traînait dans son atelier, Pierrette Bloch a réalisé des sortes de sculptures fragiles, ténues, réalisées à partir de boucles de crin, sortes de fils conducteurs dans le temps, d'une sculpture qui n'en finit pas et qui est présentée dans le cadre de cette exposition au musée Fabre. J'avais eu la chance et le plaisir de recevoir Pierrette Fabre dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, et c'est l'occasion de revenir avec un moment de son témoignage au sein de cet entretien vidéo. Alors, ce qui m'intéressait dans ce fil, c'était une ligne. Et effectivement, c'est vrai, le côté graphique des choses a toujours compté pour moi. J'ai fait de la peinture avec de l'huile et de toile, et quand je les revois maintenant, c'est pas des choses que je préfère, mais j'y retrouve ce côté graphique. J'y retrouve aussi, curieusement, des paysages, enfin, un paysage en particulier que j'ai fait avant, dans une période préhistorique, à ce que je vais raconter, qui est un paysage de maison la nuit avec des fenêtres éclairées. Parce que je me sers essentiellement de noix et de clés. Ça, je crois que c'est quand même resté toujours comme un fond. Oui, j'aime l'encre. Et je pense que dans ces fils de crin, je retrouve quelque chose de l'encre. Mais avec un comportement tout à fait différent. Parce que là, quand on écrit une lettre, quand on copie un texte, on véhicule un propos. Alors que dans un fil, je ne véhicule aucun propos. C'est quelque chose. Je vais dire, se maçonne dans mon cas, c'est vraiment drôle de dire ça. Quelque chose. Non, se tisse pas du tout. Un parcours se fait. Comme nous disions tout à l'heure, c'est un travail qui demande de la concentration, de la durée. Alors, c'est pas que les encres ne demandent pas de concentration, mais elles sont. C'est un travail. C'est un geste très, très rapide. Et bon, je fais beaucoup de dessins d'encre et j'en garde quelques-unes. Donc c'est un rapport différent. Dans le travail sur papier, actuellement, ce qui est rythme de et rythme rapide. Comment ça se fait ? C'est un peu comme un organisme. Qui pousse, plus ou moins, qui s'en va dans une direction, on le ramène à une certaine voie. C'est un peu comme une végétation, mais c'est en tout cas de l'ordre de quelque chose d'un organisme vivant qui se fait. Qui est en train de se faire.